Ok, on se retrouve pour une nouvelle game avec Kobuko qui nous demande de danser. Actuellement à 570 LP. Donc là, on va avoir des loot en plus. Un composant, deux composants, deux gold, ok. Tiens, on a directement nos deux costs. On va voir là-dedans. Shen, ça peut être ok pour Ghostly. Zira, ça peut être ok pour un opener AP. Teemo pour Fortune ou un opener avec Sivir. Ça peut être des bonnes unités potentiellement. Là, on a double Caitlyn, donc c'est très cohérent avec le Shen. On va mettre directement sur le bench Lucas X. Si on a encore des golds, je pense qu'on peut se permettre de vendre ça. On va acheter ça. C'est logique, hein. Sniper avec Caitlyn, c'est bien. On a double paire de snipers. C'est plus ou moins un bon opener pour l'instant, juste les items sont pas terribles. C'est peut-être un 5 item start par contre, parce qu'on a déjà eu 6 gold et 3 composants. Donc normalement, on aura encore un ou deux items. Enfin, plutôt le Darius que Kha'Zix, c'est un peu plus intéressant d'avoir Duelist potentiellement en opener. On va regarder ça directement. L'Exalted, Rek'Sai, Yasuo sera caillonné. Donc tant qu'on n'a pas un 3 cost, on peut pas le proc. Et est-ce qu'on hold le Shen vraiment là? Je pense que déjà on va jouer ça pour l'instant. Puis ensuite on peut jouer autour de Behemoth en early avec, avec Shen. Hein. Il suffit d'avoir un Shogat ou un Malphite au niveau 3, ça devrait être faisable. C'est quoi le portail du coup, Kobuko? Ouais. Ok, du coup c'est bien ça composant. On a beaucoup de front, donc c'est intéressant de jouer autour de potentiellement Ghostly. C'est vraiment une bonne compo pour jouer avec la front au début. On peut faire Warmog Gargoyle par exemple. Et jouer autour de Ashe plus tard. Ça je vais roll. Hein. J'en veux pas. Ça c'est vraiment broken. C'est vraiment broken. J'ai de quoi faire demi Sterak. Demi Déclos, demi Titan. Pff, ça veut dire que je l'aime pas par contre, c'est très chiant. Faut regarder si je suis comtesse dessus. Mais si je suis pas comtesse, je pense qu'on part dessus. C'est tellement fort en fait. C'est tellement broken comme augmente. Habituellement, je n'irai pas dessus comme un débile, mais là, ça donne envie. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Alors, je suis pas trop un expert de la compo pour l'instant, mais je vois à peu près à quoi ça est censé ressembler. On va hold ça. Et du coup, les seuls composants qu'il faudrait vraiment tuer, c'est ça. Mais j'ai pas envie de faire un state phase. Je pense qu'on va vraiment juste attendre. Hein. C'est pas grave, on va pas slam sur ce stage. Si c'était une augmente de héros un peu plus simple, un peu plus normal, ce serait très très relou d'avoir 5 composants et de rinslam. Là je pense que c'est tellement broken qu'on peut se permettre d'attendre, on veut vraiment Sterak Déclos et potentiellement Titan, ou une autre Sterak, quelque chose. On fait un kill, c'est déjà bien. Est-ce qu'on peut faire de l'écho là en gardant Sivir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut. On va faire de l'écho directement. C'est cohérent, on garde notre upgrade, on garde la front. On va tous les Garen. Est-ce qu'il y a un mec qui l'a pris la seconde? Parce qu'il y avait des mecs qui étaient en train de... qui n'avaient pas encore pris leurs augmentes. Lui, la Warden, potentiellement, il peut venir nous contester. Duelise pas trop. Lui, il a un Garen, il va jouer autour de Garen un peu en early. Ça va, il devrait y avoir quelques Garen out, c'est classique. Il y en a même pas tant que ça par rapport à d'habitude. Et c'est un perso qui est vraiment pas dégueu en early. Hein. Ça vous rend très très fort en early game, du coup. Là, l'idée, c'est bien sûr de roll au niveau 4, juste après les Krugs, pour trouver notre Garen et de commencer une vraie win streak à partir de là. Donc si on perd, si on lose streak, l'early, c'est pas très grave. Parce qu'on devrait vraiment très très fort après. Là, l'idée, c'est surtout de COD HP. On joue pas une win streak ici, bien sûr, parce qu'on a pas trop de slam. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on slam pas? Parce que slam, je le rappelle toujours, c'est faire des items. Pourquoi est-ce qu'on fait pas d'items? Parce qu'il y a deux items qui sont très importants, je pense, sur lui. C'est Dragon Claw et Sterak. Je pense que c'est trop important de faire un Sterak. Du coup, on va attendre. Hop, ici, on a potentiellement Sivir 2 qui va être un peu plus cohérente que Kate. Vis-à-vis du fait que lui est Story Weaver. Et à côté, on peut jouer un Teemo ou un Bard. Qu'est-ce qu'on veut? Bard ou Teemo? Je dirais Bard en vrai. Après j'ai une bonne front, Teemo il peut vraiment aider à faire des kills et c'est pas grave de casser la streak ici. J'imagine que du coup ça c'est un Sterak, la deuxième belt ça va être de l'anti-heal. Du coup on a de l'anti-heal, un Sterak, une déclo et il va nous rester vraiment ça. Donc ça peut être Titan, ça peut être un item AD pour la backline. L'idée de la compo c'est vraiment de rentrer tous les Warden. Voilà et après on remplace Gnar ou Jax par quelque chose d'autre. Donc on a fait plein de kills, ça c'est sympa. On a la full prio donc là il faut directement qu'on aille chercher une épée. Oh. Ouh, un complété d'item en plus, l'épée elle est à combien? L'épée, il y a un Morello dessus. Bah, c'est très sympa. Hein. Et la deuxième belt, on peut l'utiliser pour autre chose. Event Shroud potentiellement. Je regarde s'il n'y a pas un truc que j'ai mis, mais... Les autres trucs n'ont pas l'air fous. On a pu faire Titan BT directement avec ce Volibear, mais... C'est pas si important que ça, BT, en fait. Parce qu'il a déjà tellement d'HP, que déjà, il n'a pas besoin d'HP forcément du healing. Plus, il se heal beaucoup sur la Dragon Claw, du coup, en fait. Potentiellement plus que la BT en late fight. Ici, on fait 30, bien sûr. On a ce Morello qui est très sympa sur Teemo. Et on a un Sterak qu'on va directement slam. Ok, du coup, on va gagner un round. Alors, ce serait idéal de gagner le prochain. Du coup, on peut potentiellement... Ah, j'allais dire, on peut push pour le prochain, mais non, du coup, on veut pas. On veut vraiment pas push, parce que sinon, on va pas avoir des bons rolls. Mais dans tous les cas, on fait 40. Donc, même si on perd celui-là, c'est pas grave. On va se remettre à gagner derrière. On perd pas tant de gold que ça. C'est équivalent de 3 gold, quoi, de perdre ce round. Vis-à-vis de la streak et du goal sur le round. Si on pourrait slam un composant potentiellement pour l'aider un peu. Je pense qu'on va attendre. Hein.
toute façon, lui, il est vraiment très strong. Je me doute qu'on puisse le battre, quoi qu'il arrive. Ça aurait peut-être un kill, mais pour un kill, je vais paniquer potentiellement toute ma game. On pourrait le ce Gnar, hein, en se disant ça me fait 4 Warden vite, mais... En vrai, je préfère rentrer Storyweaver de Warden, je pense, niveau 4. Et là, il faudra vraiment faire 50, donc potentiellement, je peux bench ce Jax, mais bon, c'est important de le garder, donc même si je perds un goal, c'est pas grave, on va rester sur ça. Hop. Alors, il y a combien de Garen out? Il y a très peu de gens qui jouent autour du Garen, il y a lui qui en a deux. Tout le monde a joué autour de Behemoth, c'est vraiment dingue pour moi. Il y a que deux Garen out, sans compter les miens, donc c'est magnifique. On a une Titan directement. Titan demi-BT, on va pouvoir faire peut-être potentiellement qu'il y ait un Cardbreaker, quelque chose comme ça. Une Spat pour potentiellement Spat Storyweaver, c'est pas mal. Pourquoi pas, on a déclos Titan. Donc là, on a tous nos items, c'est magnifique. On va aller roll pour ce Garen. Pourquoi j'achète ces conneries, moi? On va les vendre directement. J'aimerais bien, quand même, choper des petits Garen en plus, quoi. Est-ce qu'on fait Sivir 3 ici? En vrai, ça peut être Sivir 3 tant qu'on n'a pas... Hop. Tant qu'on n'a pas mieux. Bon, on n'a pas eu beaucoup de Garen, ça c'est très très chiant par contre, ça peut nous retarder, mais on a nos items. Garen 2, ça va être, je pense, largement suffisant pendant un bon moment. Est-ce que je veux vraiment une Spat là? Parce qu'en vrai, Spat Storyweaver, Osef à moitié. Hein. Je préférerais peut-être Reforge la Spat ici, no joke, parce que si j'avais pas cette augmente, on jouerait quelque chose autour de la Spat, tout ça et tout, mais là on est commit déjà sur ça. On va voir, on va attendre quand même. On a 2 sur 3 Storyweaver, donc en fait on peut avoir Storyweaver dans l'augmente. Si on a Storyweaver, on peut faire 5 Storyweaver, mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Hein. Donc qu'il y ait une augmente plus une Spat pour ça, c'est un peu dur. Ça c'est très bien en fait, ça me fait 3 items pour elle potentiellement. Directement. Un Remover. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'items? Pas nécessairement. Nuricroot, c'est pas dingue. Et on s'en fout, ça c'est sûr. On peut faire double TG. C'est sans doute mieux ça que ça, hein, parce que le gant, Osef, hein, en vrai. Arm assist, ça peut être bien. Tricky Friday, non. Bon, c'est soit ça, soit ça. Je pense que c'est Arm assist, on va vraiment jouer autour du Garen pour l'instant. On va faire 4 Warden directement. Ça fait que je bench mon Teemo. Ouais, bon. On va mettre ça là, de toute façon ça ira peut-être sur Irelia après. C'est pas si pire, elle le proc. Et vous avez vu, quand je suis descendu à 3-1, je suis pas allé en dessous de... Pourquoi il y a pas d'HP par contre? Ok, c'est bon. Je suis pas allé en dessous de 30 gold, parce que descendre en dessous de 30 gold, c'est très dur d'en remonter ensuite. Dès qu'on trouve des Garen, on repère un paillet et tout, on peut perdre vraiment énormément de gold en descendant en dessous de 30. Idéalement même, on descend pas en dessous de 40, hein, sur un petit roll comme ça. Mais bon, là j'avais vraiment pas de Garen et je voulais quand même en trouver quelques-uns. Pour pouvoir trouver en tempo, pour pouvoir trouver le bon timing, et là on a pas mal de Sivir, si on en trouve une, je suis chaud de descendre un peu plus deep. Pour pouvoir trouver Sivir 3, ça peut m'aider à faire ma 5-streak. Ici on va trouver plus facilement des carènes potentiellement grâce à ça. Après ça a avantage sur tous les autres, je vous cache pas, a priori quand même. Let's go roll une fois ou deux. Il y a un Galio. Galio c'est très intéressant ici, mais je pense que le 4 Warden il est trop value sur mon Garen. Ok, on va roll ça. Et on va vendre ça pour l'instant. C'est pas mal à retrouver après parce que c'est dans la compo finale. Hein. La compo finale c'est genre ça avec Irelia et Zoé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et je crois que tu peux rentrer un truc en plus après au niveau 9. Hein, voilà. De toute façon le niveau 9 il est dur d'accès bien sûr vu qu'on roule beaucoup au niveau 4 et 5. Carbreaker c'est pas mal sur Irelia. Peut-être qu'on va le faire en fait. Moi je pense qu'il faut roll ça déjà. Déjà on va reforge cette merde là. Et du coup vas-y go faire Carbreaker là. Le gant, je sais pas trop ce que ce sera. On l'a fait un peu tard le Gearbreaker, malheureusement. Si on l'avait fait plus tôt, on aurait tué le Darius. Bon, là c'est un peu relou parce qu'on n'a pas la streak et on n'a pas tant de Garen que ça. Mais ça va, c'est jouable, complètement jouable encore. Je veux pas faire une IE. Là, l'IE pourrait paraître intéressante, mais il y a un bug actuellement sur l'IE sur Irelia. Du coup, j'ai vraiment pas envie d'aller chercher ça. Je préfère largement un TG. On va juste faire un TG pour un des frontliners, sans doute il a ouais, parce qu'elle va passer deux assez vite et elle est importante dans la compo. Je pense que tu peux aussi jouer Garen pour jouer, si tu trouves vraiment très vite Garen 3, tu peux avancer sur H avec. Je pense que ça doit être correct, mais bon, je vais pas trop m'avancer et puis là c'est pas trop l'intérêt je pense de faire ça. Ok, il y a un Garen magnifique, là on peut dig un petit peu plus deep. Voir si on trouve, voilà, magnifique. Et ce qu'on dit pour Sivir, je suis pas sûr, hein, elle peut venir comme ça, on n'a pas de streak là à défendre. C'est super cher en fait de dig pour Sivir ici. On va juste faire ça. J'aurais dû le set Zoé. Parce que là, en vrai, j'aurais pu la push. Par contre, c'était super fort. Double synergie.
La paix c'est pas mal sur lui, hein. Ça lui fait plus d'HP à chaque fois qu'il caste. Parce que je le rappelle, cette augmente, ce qu'elle fait, à chaque fois que le Garen caste, il gagne, au lieu de gagner un shield, il gagne les HP max, la value du shield en HP max. Et s'il a plus d'HP que sa cible au moment de son cast, il lui fait 50% de dégâts bruts en plus. Donc il fait très 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 mal ce Garen 3. Il va nous emmener très très loin, a priori. J'ai pas hold, enfin je sais même pas si j'en ai trouvé, mais dans tous les cas j'aurais pas hold des Jax en plus. Ou des Gnar. Bon Gnar 2 pourquoi pas, mais je veux dire l'idée c'est pas de... C'est que c'est très très cher de faire un Jax 3 qui apporte pas grand chose. C'est quand même 6 gold perdus, tu vois, sachant que là ça nous aurait fait plusieurs paliers potentiellement. Bah, juste lol pour les odds, mais voilà quoi. Il y a un Gnar, je dis ça, il y a un Jax 2 qui tombe, super. On va remettre ça du coup dedans. On va mettre un 2 cost, comme ça peut être Gnar potentiellement. Donc il y a vraiment que Garen et Sivir que je pense qu'on accepte de faire. Sivir 3 on va la faire et en fait ça va le porter pour Grillia. Je pense qu'alors vraiment late on l'enlève. Là on va venir push Story Weaver ou Trickshot. Si on a Sivir 3 on fera sans doute Trickshot. Mais là on a bien touché, on est bien au niveau des timings, c'est cool. Bon commencez pas à jouer Garen 3 sans augmente, par contre je pense que c'est vraiment pas terrible. Hein. Mais là c'est surtout que niveau de la méta c'est vraiment top top augmente et j'étais pas contest dessus donc ça part. La dernière fois je l'ai joué en étant contest et c'était vraiment très très nul. Donc ça on évite mais... C'est pour ça qu'il faut bien regarder qui prend quand en early. S'il y a un autre mec dessus, hésitez. Ou alors prenez-le très vite et priez pour qu'il voit que vous l'avez pris et que du coup lui il le prenne pas. Mais bon, si vous avez un mec qui a un setup où il a déjà deux Garen, machin et tout, il va forcément le prendre quoi qu'il arrive. Donc, quand même, je vous conseille de scout et de regarder qui le prend ou pas. Ok, on a directement Garen 2 qui tombe, c'est bien. On va attendre avant de remplir le bench parce qu'on veut avoir de la place du bench pour... choper nos unités. Et donc oui j'ai pris Arma 6 parce que c'est plus value sur Garen. J'aurais pu faire double TG en fait, mais je me disais double TG c'est sur des unités moins intéressantes. Ça peut faire beaucoup de crits sur Irelia, il y a un bug où quand, je crois que c'est juste quand elle a des crits en fait, elle a même pas besoin d'IE pour que ce soit bugué donc j'avais pas envie de lui mettre TG, que dans le TG elle puisse avoir genre Hoge ou la Swisper et que du coup elle se retrouve avec 50% de crits en plus et qu'elle fasse moins de dégâts donc que l'augmente ne serve à rien en fait. On va juste mettre ça directement dedans. J'aimerais bien passer de Sivir. Hein. Là on va push. Et est-ce qu'on fait quelque chose? Attends, déjà on va. Je pense rentrer ce Amumu sur le round pour pouvoir lui mettre la rédemption. Et là ça donne trop envie de faire juste une IE ici quoi, mais c'est tellement mauvais sur Irelia qu'il faut vraiment pas. Donc, je pense qu'on va juste se retrouver à faire un Sterak. Après on peut faire, on peut faire Even Shroud mais... Even Shroud on a déjà le Shred d'Irelia en late. Et là on va vraiment viser le niveau 9, niveau 8. Donc on joue autour d'Irelia, vraiment on joue autour de notre cap. Le plus fort ce serait de jouer avec Irelia sans Shred à côté. On attend un round pour push et sur la curve, être niveau 7 sur la curve. Ça va nous faire beaucoup d'économies si on économise ce round là. Ça va permettre de rester avec un bon nombre de paliers. Et par contre au niveau 7 je sais pas si on va pas chercher quand même un petit truc s'il y a vraiment rien dans le shop. L'idéal serait qu'il y ait un petit truc dans le shop quand même. Là c'est un bon timing pour aller scout, lui joue Ombral. Lui joue Warden, il avance. On est à un elo plutôt décent là actuellement. Hein. On est mid-GM. Mid-GM very low chal. Donc les gens ils vont commencer à jouer bien leur écho. Normalement ils ont push le round d'avance soit ici. Donc là ils vont commencer à être forts vraiment les gens. Dynamique duo, c'est quand même beaucoup d'écho. Je pense pas que ce soit ce que je veux en premier. Je vais roll ça. Ça c'est pas terrible. Je pense qu'on le roll hein, et au prix on prend ça. Best friend. Best friend c'est pas mal. Mais je dirais Lingor, bah, quoique, vas-y, on roll pour avoir potentiellement mieux. Vas-y, best friend, c'est bien. Juste Arcanis, ça me suffit pas. Hein. J'aimerais bien un petit truc un peu mieux. Un petit Warden, ou voilà, un Chimo. Un Chimo, c'est un peu mieux. Ça, on peut le mettre là. Ça, comme ça. Hop. On aurait pu remove ça en vrai hein, et mettre les items sur Teemo à ce stade je pense. Là l'idée c'est peut-être mettre Zoe over Jax. On va push ici. Je préfère pas mettre Zira over Jax par contre. Parce que bon Story Weaver c'est sympa. Pourquoi pas quoi, mais c'est surtout Zoe parce que ça me donne Arcanis plus Story Weaver plus Zoe, c'est vraiment une unité qui peut finir les kills. Là où Zira bah c'est pas vraiment tout ça quoi. C'est un peu ça mais en moins bien donc je préfère juste avoir un Teemo et un Jax 2 qui a Warden, ça fait un peu de front. Et vous voyez comme c'est tanky, hein, c'est n'importe quoi, ça augmente. Là on monte à 40 gold, magnifique. On va pouvoir du coup être niveau 8 avec peut-être 20 gold ici, c'est bien. Ah, bon bah, il fallait juste demander frère. Voilà. D'ailleurs je suis en train de me demander s'il faudrait pas mettre les items sur elle. Parce qu'elle tape quand même, je pense cette Zoé. Elle tape beaucoup plus fort que le reste. Et on fait ça. Comme ça en plus on a un proc best friend, c'est magnifique. On fait comme ça. Du shred, parce qu'on n'a pas de shred pour l'instant. Allez ça me va. Et on n'a pas trouvé cette Sivir, hein, donc on abandonne à ce stade. On met les items sur elle. Alors a priori c'est des meilleurs items potentiellement sur Irelia, mais bon. Pour l'instant c'est une Zoé 2 qui va nous emmener très très loin. On aimerait bien aller directement au niveau 9 sans passer par des rolls au niveau 8. Du coup on se permet de faire ça.
D'ailleurs, je pourrais vendre tout ça, mais bon, je pense que dès que j'ai Sea Warden, je garde la Zoé, je rentre Sea Warden au 8, quoi. Ça fait Sea Warden plus Zoé plus un spot en plus, donc je peux même garder Sivir. Donc je préfère grid potentiellement ce Jax. Après, ça me fait quand même beaucoup d'écho de faire 50 ici, mais non, tranquille. Dans tous les cas, on fait 50 prochains rounds avec le Karou. Avec l'unité qu'on vend au Karou. Et si c'est pas une unité qu'on vend, c'est qu'on est bien quoi qu'il arrive. Sachant qu'on est en streak en plus. Non, on va attendre. La streak va nous assurer cette économie, pas de soucis. Pas besoin de faire tous les paliers non plus. On a un très très bon set ici, ça nous fait directement Warden, ça deny set en plus aux gens, mais bon, on est last pick donc on l'aura jamais. Il va nous rester un gant, ça peut en être un item 7 pour le coup. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû slam IE et au final me dire c'est un item pour 7. Je pense que c'est cohérent. Enfin, faut vraiment être confiant et se dire qu'on peut aller dans les levels hein, en faisant ça. En vrai, je vais faire Jeweled, hein. Juste faire Jeweled, hein, un item pour ma Zoé. Ça va m'emmener très loin. Zoé, franchement, Zoé 2, c'est super fort actuellement, donc ça me dérange vraiment pas de lui mettre des items à la con comme ça. Un Udyr qu'on pourrait push. Ça met quand même à 12 gold de push pour entrer un vieux Udyr 1. Autant attendre peut-être, non? En fait, s'il y avait un Warden dans le shop, je serais chaud de push, mais là, c'est vraiment pas beaucoup de value, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai que je peux entrer? Dryad, Ghostly, Porcelaine. Flemme un peu, hein. Regardez un peu les match-up. Vas-y, on va se décaler un tout petit peu, mais je pense qu'on est pas trop mal positionné, ça va. Ça laisse le Garen le temps de stacker son cast et la Titan à droite, c'est bien. Au lieu de prendre directement les dégâts des carry. Lui, la Tiny Bud Deadly, sa team, elle avance très très vite vers la mienne. Donc j'ai pas tant le temps de stat que ça. En plus, j'ai déclos contre lui, c'est beaucoup moins fort. Ok, elle a bien tanké cette Zoé quand même. Pour moi, ça fait plaisir. Enfin, pour mon Garen. A chaque fois qu'il casse, il reprend 400 HP. Hein, même 500, je crois, un truc comme ça. Plus la déclos, tu vois. Donc il prend 540, plus la déclos. Donc en fait, il est intuable, ce mec. C'est tellement fort. C'est tellement strong. One time, un Warden. Non. Le mec qui... Et oui, cette Zoé quand même, elle fait des petits dégâts, hein. Elle aide bien. C'est vraiment trop con comme compo quand même. Hein. Le Sterak, après on va le bouger sur 7 en late. Faudra retrouver des Amumu, sachant que c'est contesté par les mecs qui jouent Warden, c'est un peu relou, mais je crois qu'il y en a que un. On va bouger un petit peu quand même, parce que ça fait 15 ans qu'on bouge pas là. En vrai, lui, il fait pas si peur que ça. Et peut-être que, comme le round d'avant, j'aurais peut-être eu le garder à droite contre lui pour clutch, mais il y avait l'autre mec en fait qui jouait H qui faisait un peu peur. Leur massif fait du bien aussi, hein. Surtout contre lui, il a qu'à pas d'anti-heal par exemple. Bah là, du coup, bon, il a proc une Sunfire sur sa Mumu, mais. Ça m'a bien heal au début du fight aussi. C'est comme si j'avais une BT en plus en fait. Une BT en plus, des dégâts en plus pour mes backliners. Même les Warden, ils font un petit peu de dégâts, ils se heal un peu. Bon, là, du coup, on a full streak le stage, on a une économie démentielle. Donc on va y aller comme ça. Et est-ce qu'on tenterait pas une Zoé 3 avec ce Way potentiellement, ouais. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Là, le push, c'est 40 gold. Pour les odds, je pense que je push à 40 si j'ai des golds ici pour pouvoir faire 40. Si ça me fait que 30, par contre, je perds beaucoup de gold, donc c'est chiant. Là, je crois que j'ai assez, hein. Ouais, vas-y, on va push. Est-ce qu'on vend ça? Non. Encore une fois, si j'ai un Warden, c'est trop value. On va faire ça. Après, est-ce que c'est pas juste lui dire que je rentre? Franchement, le Chimo, il sert à rien. Ça value juste ma Sivir qui est trop nulle à ce stade. Pour l'instant, on va juste mettre Illaoi dedans. Et en vrai, faudrait peut-être side roll, hein, parce que j'ai un Mumu, une Illaoi. Et bon, avec mon économie, même si je perds à ce stade, je devrais pouvoir aller au 9 en 5-5, parce que lui, il est vraiment très très fort encore. Là, il faudrait de l'anti-heal, par contre. Là, il faudrait de l'anti-heal, il n'y a pas d'anti-heal, c'est relou. On va faire Crown Guard. Si j'avais pu avoir Morello... Ah, mais je suis trop bête, j'ai déjà Morello. Ok, bon, j'ai rien du coup. J'ai cru que j'avais pas Morello. Ok, bon, bah c'est magnifique. On va avoir le Shred sur Irelia, de toute façon, plus tard. Et en vrai, on n'a pas tant besoin de shred que ça, parce qu'il fait beaucoup de dégâts physiques quand même, donc c'est très sympa d'avoir du shred, mais dans le pire des cas, on a les trous dommage aussi, qui aident. Oh, là, on se fait bien cesser, c'est relou. En plus, on peut se faire exécute par la lune, faut faire gaffe. Ouais. Ok, il a Oikari, magnifique. Magnifique. Le proc de Way, excellent. On fera Zoé 3 s'il y a une Zoé qui tombe, mais sinon, on va juste faire Illaoi 2, hein. C'est déjà très sympa avec ce Way. Ça va nous créer des golds, nous permettre d'accéder plus facilement au 9 tout en upgradant nos units. Ce qui va être compliqué si on fait un peu H9 à 5 ou 10 golds. On devrait être compté sur Irelia, hein. C'est une unité qui est quand même un peu jouée en late. Après il y a deux, ouais non les setups ça va, il n'y a pas tant d'Irelia que ça, il y a des mecs qui jouent Way par contre. Je mets le Amumu ici même si elle a une Crown Guard parce que je proc best friend et qu'il monte et en ayant les alliés à côté pour pouvoir les heal. C'est quand même sympa. C'est juste qu'en début de round en fait il est un peu faible ce Garen quand même.
Donc on préfère qu'il ait à Mumu, qu'il se prenne pas trop tout de suite les caries dans la gueule, genre. S'il arrive à tenir 15 secondes du round, normalement il scale trop pour être tué à ce stade de la game. En vraiment late contre des 5 cost et tout, contre des Azir surtout, ça peut être compliqué, mais là, pour l'instant ça va. Bon, le Timon ne jouera plus par contre à ce stade, faut pas abuser non plus. Ok, on va push next round du coup, on a keep notre streak, donc on est extrêmement bien là. 7-2 pour lui, faudrait qu'il meure, qu'il me libère un peu des 7. En vrai, il a une hache qui a pas de Ginzo, donc je pense qu'il va se faire déchirer, je vous mens pas, même s'il a pumping up best friend quand même, donc il a moins besoin de Ginzo. Faire ça, voilà, pour que le 7, il envoie pas non plus trop mon Garen dans mon carry. J'avais pas envie de swap side mon 7 par contre, je pense que c'est pas nécessaire de ouf. En plus, lui, de toute façon, c'est la shadow, lui, c'est l'ombre, donc... C'est le ghost, on devrait pas avoir trop de balles à le battre. Peut-être cette souris peut prendre quelques resets. Non, c'est quand même Warden, ça tend beaucoup. Mais je vous dis, il a juste pas assez de dégâts, hein, je pense. Pour down ce Garen, il va trop scale ce Garen dans le fight. Dans tous les cas, on devrait pas perdre. Genre, il a aucun scaling. En fait, si elle avait Ginzo à la place de GS ou Gunblade, ça pourrait faire un peu peur et il aurait pu être mort à ce moment-là, le Garen, et on perd le round. Mais là, c'est un losable. Du coup, on va voir. Il a E2, on a notre streak, tout ça, c'est vraiment très 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 bien. Bac, il est toujours en vie là. Warden, je pense que ça va partir très très vite, il y a deux mecs qui jouent Warden H. Sinon, on peut choper quoi nous? Deathblade pour Irelia, c'est très sympa. GA pour Irelia, c'est correct. Arcanis, c'est inutile. Ah putain, ils nous ont tout pris là. Ils nous ont tout pris, on va prendre une Shojin hein. Je suis pas sûr qui ça ira, on va prendre une Shojin, on rentrera un random Azir en late, quelque chose comme ça, pour que Dryad plus c'est une bonne unité. Ok, donc là on fait Ilao 2, on push, et on va défendre un peu notre streak. Alors là, ça par contre c'est Zoé 3, je refuse de croire que c'est pas Zoé 3 ça. Faudrait un Warden, hein. Oh, magnifique. Zoé 3 c'est complètement broken, hein, si jamais. C'est free win normalement si j'ai Zoé 3 là. Je relance un peu lentement, mais j'ai pas envie de miss un truc. On va rentrer ça. C'est une bonne unité. Shojin ici. Elle aura pas de génération mana, elle, mais bon, c'est pas le main carry, donc c'est pas si grave que ça. Elle a quand même un peu d'attaque speed avec ces deux trucs-là, donc c'est ok. J'ai pris le shred tout à l'heure pour continuer ma streak, hein, mais dans l'idéal, on aurait bien aimé ne pas avoir de shred. Parce que là, en late, on a Irelia, et puis les dégâts magiques, c'est moins important. On a eu trop dommage tout ça, mais je voulais juste être fort sur le moment, c'est pour ça que j'ai pris du shred et pas de l'attaque speed. Ça valuait plus mon Garen qui était vraiment de loin le plus gros carry de ma compo. Et du coup on va jouer ce White encore 3 rounds, hein, quoi qu'il arrive. Il va être là pour me dupliquer ma Zoé, elle est plus loin dans le game. On peut vendre ça. Alors, Nap. Lui il est pas bien pour vraiment aller en late, ça devrait aller. Il a juste Yorick 3 quoi s'il te plaît, ça c'est nul à chier sans l'augmente. Lui, ok, il joue un gros dueliste. Alors dueliste est très fort dans la méta, il a quand même un gros setup je trouve. Donc ça peut faire un peu peur, mais il a pas de 3 stars, il a pas d'Irelia, donc ça va quoi, c'est pas non plus... C'est pas si flippant que ça. Xayah c'est sans doute bien mieux que Way à terme. Mais un peu chiant de la hall là, je te mens pas. Après bon, je pense qu'on fait Way, là maintenant qu'on a les Zoé c'est bien, on va garder la Xayah. On va rentrer Way 3, enfin on va rentrer, pardon Zoé 3, et après on va rentrer ça pour lui mettre la Shojin. Après sinon je peux mettre... Shojin sur elle pour quand elle transforme. Ouais non j'aurais pas le temps parce qu'il faut vendre Way et mettre sur la Zoé, non c'est impossible. C'est impossible malheureusement. Swap le truc, mais ça aurait pop un item au hasard en fait. Le mieux ça aurait été de pop le Morello, mais le Gearbreaker c'est pas si grave non plus. Le seul truc chiant ça aurait été le Jewel, non mais de toute façon c'est fine. Elle casse cette Zoé, elle a des casques contre l'impact, elle aura beaucoup de mana et tout en late, enfin beaucoup d'AP. Plus elle est niveau 3 et tout, ça devrait être vraiment dingue. Je pense que c'est un free top 1 celle-là, je vous mens pas. Iroll l'augmente au début, mais sinon le lobby a juste pas très très capé très haut, genre c'est assez facile à battre en late. Regardez les dégâts que je mets sur Yorick 3. C'est n'importe quoi, il y a combien d'HP le Garen juste pour voir? Putain je peux pas voir, merde ça a bugué. Ok, je vais jouer tellement le cap que je vais remove ça. Et me permettre d'aller chercher des meilleurs items. Je vais garder ça sur lui. Mais ces deux items, on verra, on peut les mettre sur Nautilus 7, un truc comme ça. Enfin ça, sur Amumu, c'est très très bien aussi. Hein. Ça va peut-être revenir sur Amumu, par contre ça sera sur 7, c'est sûr. Lui, il est mort à ce stade, il m'a remis 3-7 dans la poule, c'est magnifique. On va juste faire 10 gold ici, et je pense qu'on va quand même roll à 0, parce que ce serait bête de juste perdre la streak pour rien, sachant qu'on rend juste un Warden et on est impattable a priori.
petit warden. Ça c'est big. Petit Nautilus, petit. Voilà. Très bien. Magnifique. Et on est bien. Item pour elle maintenant qu'elle est niveau 3. On est niveau 2, pardon. Je fais que dire n'importe quoi aujourd'hui. Hop, on va mettre ça là. Et puis je pense qu'on va juste triple item là. Hein. Après, Hoj, c'est quand même sympa sur elle. Qu'elle se heal un petit peu, qu'elle se fasse pas one shot pour rien. On va mettre ça sur lui, parce qu'on va le vendre. Pour 7 à terme. Donc tant qu'on a pas 7 de façon, il reste là. C'est sans doute légèrement moins fort, enfin. Plus fort que Gnar, Jax quand même, parce qu'il a un CC, mais. C'est du micro détail, et de toute façon, j'aimerais bien garder ce Gnar pour potentiellement rentrer Dryad sur Azir. Parce que là, je me dis Xayah, mais bon, je pense qu'Azir est plus fort que Xayah. En late, avec Dryad. Ok, Zoé 3. On cherche. On parlait de Lee Sin aussi, pour proc duelist. En vrai, c'est vrai que c'est très sympa quand même. Enfin, cette Cho'Jin sert un peu à rien du coup, mais. Ça y est, frère. On fera comme ça, on fera avec, frère. On fera sans Lee Sin. On a déjà assez de dégâts à côté. Je préfère value à la Cho'Jin plutôt que de. Et d'avoir un potentiel Xayah 2 que de value un peu le duelist sur elle. Elle a qu'un item. De toute façon, on est tellement sombre, faut juste que Nap perde un round et. Et la game va se finir. Hop. Magnifique. C'est dingue, hein. C'est une dinguerie ce fight. Quand c'est fight, c'est trop fort, Garen. C'est tellement strong. Et là on peut roll à zéro. Hein, juste parce que de toute façon, lui, il va pas m'outcap, c'est impossible. C'est juste pour s'assurer qu'il n'y aurait pas un round de plus et que. Et que voilà. Là, l'idée, c'est quand même de se dire que normalement, dans tous les cas, je les bats et du coup, on peut attendre pour essayer d'avoir un 7-2 si jamais il y a une arnaque, un truc. Mais en vrai de vrai, normalement, ça devrait être ok. Hop, on proc bien sûr best friend over les stacks de 7. Hein, c'est pas 2 AD qui vont changer le fight. Alors que 20 d'armure, 20 d'attaque speed, je crois que c'est ça. Ça fait beaucoup plus. En fait, lui, le seul truc qui vraiment pourrait le faire, même outcap, c'est d'avoir 9 ombrales, je pense. Et encore, hein, c'est pas si fort que ça, 9 ombrales de base. Faut scale un peu avec dans la game. Mais bon, il y a 2-0, je crois qu'il m'affronte aussi, non? Voilà, il perd. Et Nap, perd aussi. Et on va roll, voir si on avait. Il y avait la Xayah. Hop là, magnifique. GG. Clean game. Tellement broken cette augmente, je vous conseille vraiment de la jouer actuellement. 54 LP, c'est démentiel. Actuellement, les gains d'LP sont un peu buggés aussi. Je crois que c'est que à Holo, mais 620 LP, magnifique.